C'est une séance de travail entre le chef du gouvernement, Roso Cristiano Sukarra Ponda, et une délégation de la HAC qui vient mettre au goût du jour certaines rigidités empêchant un fonctionnement efficient et fragilisant ainsi cet organe mis en place par l'État. Depuis 2018, date à laquelle nous avions pris fonction, nous traversons des situations, une situation difficile, des situations budgétaires, des situations de fonctionnement, des situations d'équipement et des situations de gouvernance. Des solutions verront le jour pour que cette institution joue pleinement son rôle. Nous sortons de là suffisamment sereins et en tant que responsables, en tant que compatriotes, nous attendons que les plus autorités nous donnent un signal fort pour que les missions qui sont les nôtres soient suffisamment assumées et avec efficacité. Dans un pays comme le nôtre, une jeune démocratie, il est important que le régulateur de médias que nous sommes puissions être suffisamment opérationnel pour donner vraiment une expression libre, une expression démocratique, celle-là même qui garantit à tout État vraiment le maximum de chances de développement. La HAC est une autorité administrative indépendante. Cet organe veille en toute indépendance au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire national.